Je vais vous parler des trois mots les plus longs du monde. Le mot qui est vraiment considéré comme le plus long du monde, mais qui n'est pas vraiment considéré comme étant rentré dans l'usage parce que c'est un mot qui est très spécifique, très scientifique, que vous n'allez pas trouver dans le dictionnaire, très clairement. C'est la dénomination chimique de la titine, qui est une protéine, et c'est un mot qui fait plus de 189 000 lettres. Il faut 3 heures pour le prononcer. Il y a même un mec sur YouTube qui a fait une vidéo de 3 heures dans laquelle il prononce le nom de cette fameuse protéine. Ce mot, il commence par méthionyl, alanyl, tréonyl et il se termine par prolyl, prolyl, prolylocine. Et entre les deux, bah, y a beaucoup, beaucoup de lettres. Le deuxième mot le plus long du monde, c'est un nom propre et il s'agit d'un village d'Inde. C'est un mot qui fait 195 caractères et qui nous vient du sanskrit. Donc le sanskrit qui est une langue qui est parlée en Inde. Et le troisième mot le plus long du monde, c'est encore un nom propre et c'est cette fameuse colline néo-zélandaise de 85 lettres. Le nom de cette colline, il commence par Tomatawakatangiyanga et pour le reste, je vous laisse aller faire des recherches.